C'est une nouvelle qui va briser les espoirs de nombreuses fans de l'acteur. Roger Jean Pages a fait tourner la tête de nombreuses téléspectatrices grâce à son rôle dans la chronique des Bridgerton. En effet, l'interprète du duc de Hastings a été fortement apprécié lors de ses différents passages. Lui qui a refusé d'apparaître dans la saison 2 de la série. Une nouvelle qui avait provoqué une onde de choc chez ses fans, chaque livre expose une romance différente. Que viendrait faire Roger Jean là-dedans? On leur a déjà donné leur fin de conte de fées et maintenant le prochain couple arrive, a déclaré la productrice Shonda Rhimes. Alors si certaine, est-ce pensée que le comédien était toujours un cœur à prendre? Le média People vient de balayer leurs espoirs d'une main. En effet, ce mercredi 1er septembre, l'acteur de 31 ans a été photographié en charmante compagnie. Roger Jean Pages a en effet officialisé sa relation avec Emily Brown lors de la cérémonie des British GQ Movie Year Awards. Sur les photos publiées, on peut facilement voir le comédien main dans la main avec sa petite amie lors de leur arrivée à la soirée. Selon les informations du Daily Mail, les deux tourtereaux seraient tombés amoureux l'un de l'autre il y a plusieurs années et vivraient ensemble à Londres. Âgée de 30 ans, la jeune femme ne viendrait pas du tout du milieu du cinéma et de la télévision puisqu'elle serait rédactrice pour plusieurs grandes marques et footballeuse au sein des FBB Warriors. Une bonne nouvelle pour certains fans, pendant que d'autres pleurent leur rêve secret de partager un jour la vie de l'acteur. Mais qu'il se rassure, même si l'ancien duc de Hastings n'est plus un cœur à prendre. Il va tout de même continuer de se concentrer sur sa carrière, notamment sur ses nouveaux projets. Selon le Daily Mail, l'acteur est le favori parmi les nombreux acteurs envisagés pour incarner James Bond. Rien que ça. Pour voir la photo du nouveau couple, c'est par ici.